La passerelle est à vous, pionnière. Ryder ? Allô, Gil ? Quand est-ce que vous allez finir la réparation de la console des capteurs ? Jamais. Ce n'est pas une réparation, c'est un nouveau concept. Un nouveau concept ? Sans équipe formée ? Je suis formé, moi, et ça marche très bien. Décoincez-vous un peu. Tout va bien ? Hein ? Bien, bien. Ne vous en faites pas. J'ai vu des photos du caveau, il est gigantesque. Et je me demande si vous avez tout vu. Et s'il était encore plus grand, à quoi peut servir tout cet espace? Étant donné à quoi il sert, il pourrait s'enfoncer à des kilomètres sous la surface de la planète. Ou s'étendre en un immense réseau souterrain. C'est juste une idée, bien sûr. Je ne saurais même pas par où commencer pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les créateurs des reliquats, quoi qu'ils aient pu être, ont accompli quelque chose qui nous dépasse complètement. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnière. Communication par holoconférence en préparation. Commandant. Pionnière. Jal me tient informé de vos aventures et de vos bonnes actions en notre nom. Je suis sérieuse. Je veux vous montrer que vous pouvez me faire confiance. Vous avez secouru Shavagan. Sa mort aurait été un coup dur pour la Résistance. Mais votre but est clair. Explorer le caveau d'Aya. D'après Jal, vous voulez nous aider à retrouver la Moshae. Pourquoi je vous y autoriserai? J'aimerais que ce succès marque le début d'une relation solide. Tenez vos promesses, et petit à petit, nos relations devraient se renforcer. On a retrouvé la trace de la Moshae dans un complexe spécial des Kert sur Völd. Pourquoi spécial? Ces complexes sont protégés par une technologie de bouclier dynamique qu'on n'arrive pas à neutraliser. On n'est pas loin, mais sa faculté d'adaptation est plus rapide que nos processeurs actuels. Pionnière, mon processeur permettrait d'accélérer considérablement leur programme. Ephra, je peux vous aider. Avec tout le respect que je vous dois, cette fois, vous avez besoin de mon aide. Avec tout le respect que je vous dois, les Angara n'ont pas besoin de vous. On s'en sort très bien tout seul. Sans la puissance de traitement de mon intelligence artificielle, je ne peux pas garantir la brèche du bouclier. Une intelligence artificielle? Bien sûr, ça se tient. On est connectés physiquement, donc je dois... Non, je veux y aller. Vous avez pris un risque en révélant votre intelligence artificielle. Et l'honnêteté vous différencie des Kert. J'espère bien. Je vous permets de participer à la mission. Merci. Une équipe vous retrouvera dans notre base sur Völd. Elle vous conduira au complexe des Kert. Gardez votre force et votre franchise. Au revoir. Jal m'a dit qu'il voulait vous voir. Donc, vous avez gagné la confiance d'Ephra. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai toujours l'impression qu'il ne m'apprécie pas. Il est comme ça, c'est tout. Vous devriez plutôt vous inquiéter d'Heroicar. D'après ce qu'Ephra m'a dit, vous semblez déjà avoir eu affaire à eux. Je connais leur chef, Axul.
On a suivi les enseignements de la Moshae en même temps. Mais contrairement à moi, il était doué. À vrai dire, c'était le meilleur. Donc, il connaît bien les reliquats. Avant, oui. C'est une longue histoire. Racontez-moi la version courte. Axul a été capturé par les Kert. Il a passé un an dans un camp de travaux forcés avant de réussir à s'échapper. Ça explique sa haine des aliens. Oui. Il a terriblement souffert. Quand Axul est revenu, il ne s'intéressait plus aux reliquats. Ni à rien d'autre, à part la destruction des Kert. Il n'a pas voulu rejoindre la Résistance ? Axul n'est pas du genre à obéir aux ordres. Et je crois qu'il nous en voulait parce qu'on n'avait pas pu le sauver. Donc, il a formé les Roekars. On ne se préoccupait pas vraiment d'eux. Mais, depuis votre arrivée, sa cause a pris de l'ampleur. J'ai convaincu Ephra que je ne suis pas une menace. Je pourrais peut-être en faire de même avec Axul. J'admire votre courage. Mais Axul est dangereux. Et il n'a pas le pragmatisme d'Ephra. Il va vous donner envie de le tuer. Il faut que j'essaie. Si Eleus doit devenir votre nouveau foyer, j'imagine que vous allez devoir vous occuper des Roekars d'une manière ou d'une autre. Il y a une ermite sur Avarl qui a échappé aux Kert avec Axul. Elle s'appelle Taldir. Elle saura peut-être comment le contacter. Je vous envoie ses coordonnées. Entrez dans l'atmosphère, zone d'atterrissage en vue. Vous pensez qu'elle acceptera de nous parler ? Les Kert ! Protégez Taldir ! Des Roekars. Ils sont morts au combat. Axul avait dû les envoyer veiller sur Taldir. N'approchez pas ! Taldir, on est venu. Vous aider. Ne me touchez pas ! Vous avez besoin de soins médicaux. C'est trop tard pour ça. J'ai fait ce qu'il fallait. Vos blessures,
Vous vous les êtes infligés vous-même? Les Kertes. Je ne peux pas y retourner. Je n'y... Ah! Retournerai pas! Du calme, ma sœur. Les Kertes sont morts. Ils ne peuvent pas vous emmener. On ne les laissera pas faire. Vous parlez comme lui. Toujours confiant. Sûr de lui. Vous parlez d'Axoul? Il m'a sauvé. Il m'a donné la possibilité de vivre et de mourir comme j'en ai envie. On doit le trouver, Taldir. Isharai, vous étiez une battante. Elle lui est restée dévouée jusqu'au bout. Et Axoul se sert de ce dévouement pour répandre la haine. La seule autre personne qui pourrait le joindre, c'est la Moshae. Raison de plus pour la sauver. Allez, on y va. Tous les voyants sont au vert. Commence notre approche. En orbite stable autour de Vold. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Bravo, tu as impliqué Ryder dans cette folie maintenant. On doit se concentrer sur le sauvetage de la Moshae à Anna, pas sur ton espoir futile. Rahbar, je sais que Mashal est toujours en vie. Anna, pourquoi vous êtes convaincue que votre amie est encore en vie? Parce que Mashal est notre meilleure saboteuse, elle sait comment se protéger. On a détruit un entrepôt d'armes Kertes, mais les détonateurs n'ont pas marché. Mashal a dû déclencher les explosifs manuellement. Elle s'est retrouvée au milieu d'une explosion qu'on a pu voir par-delà les collines. Mais personne ne connaît la démolition aussi bien que Mashal. Elle aurait su où se mettre à l'abri. Si votre ami était aussi doué que vous le dites, il est possible qu'il ait survécu. Merci beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je m'égosille, mais personne n'écoute sauf vous. Même si je te croyais, Anjik ne nous laisserait pas y aller. On a besoin de nous ailleurs. Si je vais là-bas, je pourrai inspecter la zone. C'est vrai? Que le ciel vous bénisse. J'ai les coordonnées. J'espère que les données sont compatibles avec votre... gadget.
Peu importe ce que vous trouvez, je vous en prie, dites-le-moi. Je veux juste connaître la vérité. Les températures sont négatives et continuent à chuter. C'est vous, la pionnière dont parlait Ephra? C'est bien moi. Nous sommes l'équipe envoyée pour pénétrer dans le complexe avec vous et sauver la Moshaï si tout va bien. Je suis votre pilote. Le complexe d'Eckert est de l'autre côté de la planète. Prête à décoller? Pas de temps à perdre. Vous pourrez me briefer dans la navette. Ok. Tout le monde à bord. Donc, personne n'est jamais entré dans un de ces endroits. Sérieusement. Personne n'en est jamais ressorti, plutôt. On appelle les prisonniers qui y sont conduits les disparus. Oui, mais vous avez libéré des esclaves, non? On a libéré des camps de travail, Kert, mais jamais ces complexes. On a perdu tellement d'hommes à essayer. C'était trop risqué. Ma théorie, c'est que les Kert renvoient les hangars éminents dans leur secteur à partir d'ici. Pour s'en servir d'esclaves? J'imagine. Plutôt mourir. Jal, on ne peut pas se laisser décourager. Il faut garder espoir. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à rejoindre cette mission. Bon, on y est. Mais il va falloir qu'on se dépêche, parce que la tempête redouble. Une fois le bouclier traversé, vous passez devant et on cherche la Moshaï. On essaie tous de rester en vie, compris? On n'a pas rejoint la Résistance pour être prudent, pionnière. Bonne chance. Faites-moi signe quand vous serez prêt à y aller. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce qui nous attend? Du tout. Ne vous éloignez pas, et n'attirez pas l'attention pour l'instant. Ils s'attendront pas à ce qu'on désactive le champ. Ça peut nous donner un avantage. D'après ce qu'on sait, il y a une interface pas loin d'ici qu'on peut utiliser pour pirater le système. Skelv est notre meilleure hackeuse de système, Kert. Exécution du programme de désactivation du champ électromagnétique en Gara. Activation de mon accélérateur de traitement. Patientez. Patientez encore un peu. Si tu pouvais éviter de me faire honte devant nos nouveaux amis. J'ai ouvert une petite brèche dans le champ électromagnétique. Regardez, ça a marché. Bonne nouvelle, mais on a encore du chemin à faire. Créature en approche, mes préférés. Sam, tant qu'on est là, je veux tout savoir sur cet endroit. Très bien, pionnière. Bon, c'est parti. Owen, Skaelv, couvrez-moi.
vois ça, hein? Oui, c'est pas croyable. J'en reviens pas qu'on soit là. Je parie que non plus, ils vont pas en revenir. Bah alors, l'alien, ça va trop vite pour vous? Quel bouclier! J'ai observé ces endroits de l'extérieur tellement de fois, j'en reviens pas qu'on soit rentré. Les effets personnels des nôtres sont là. Abandonnés. Ceux des prisonniers? Est-ce qu'on a le temps de... Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? C'est Zig. Trouve une console terre. Ouvre-nous un chemin jusqu'au cœur de ce complexe. Tout de suite! J'aime pas ça. Les effets personnels. Angara. On dirait bien. Quel pied! Bon, et maintenant? Approchez. Bon, je crois que c'est foutu pour l'effet de surprise. C'est vous qui avez la meilleure chance de trouver la mochaille. On va faire front et créer une diversion. Ça ressemble à une mission suicide. Mais ça nous fait pas peur. Voilà l'entrée principale, on part par là. Enfoncez la porte. Gardez le contact radio, et bonne chance. Vous croyez qu'ils vont réussir à occuper les cartes? Sans aucun doute. Je suis Gérard. Le programme que j'ai utilisé pour percer le champ électromagnétique pourrait également causer une surcharge et permettre de détruire ce complexe. En revanche, l'impulsion serait mortelle pour la physiologie Angara. C'est problématique. Ouais, éliminer ses alliés, c'est pas une super idée. Sam, qu'est-ce qui se passe? Un protocole de décontamination. La salle est verrouillée jusqu'à la fin du cycle. Donc, on est coincé. Ça ne me plaît pas du tout. C'est noté. On casse la vitre? Non. Il est impossible de briser cette vitre. Décontamination, pourquoi? Bonne question. Pour des raisons médicales, ou de survie peut-être. Ils ont peur des microbes? Comment ça va? On est caché et on voit certains des nôtres depuis notre position. Je crois qu'on est dans une zone réservée aux Kertes. Pas de Moshaï en vue. Compris. On discute de la suite des opérations. On vous tient au courant. Une salle de classe. C'est quoi ce machin contre le mur? Aucune idée. Je dirais qu'il s'agit de modules de stase. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous rassemblés comme ça? Peut-être qu'ils les renvoient sur la planète des Kertes. Peut-être.
est-ce qu'ils sont tous passés? Restez sur vos gardes. Oh, c'est pas mal ici. Ils dorment tous ici. C'est une sorte de dortoir. On retourne tout, Jal? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne me paraît pas assez violent. La Moshae n'est pas là. Il faut qu'on avance. Par où on sort? Jetez un œil à la console. La salle de transmission? Si vous arrivez à accéder à une borne, je téléchargerai le registre de ce holo. Soyez les bienvenus. Avancez. Je suis honoré d'être là. Ici, devant vous, les élus. Choisis par l'Archonte. Choisis pour être exalté. Choisis pour être exalté. On dirait une sorte de rituel. Les Angaras sont en transe. La Moshae n'y est pas. Je l'aurais vue. Peut-être dans une de ces capsules. On n'a pas de meilleure piste. Vous vouliez une diversion? Le spectacle vient de commencer. Impossible! Archonte. Expliquez-vous. Nous sommes attaqués. Je défendrai le temple jusqu'à... Attendez. La Moshae est parmi eux? Non. Elle attend l'exaltation finale. Dans ce cas, amenez-la-moi immédiatement. L'exaltation finale? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on sauve tous les Angaras. On est venu pour la Moshae. C'est notre priorité. Votre priorité? Mon vaisseau, mon équipage, mes priorités, c'est tout. Comment elle les a appelés? Les élus? Élus pour quoi, au juste? Jan, ils sont contents d'être là? Non, bien sûr que non. Je ne sais pas ce qui se passe non plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on sorte la Moshaï d'ici. Attrapez-le! Ne laissez pas s'échapper! On dirait que ça les démangeait de passer à l'action. Répondez, pionnière! Je vous écoute. On a contacté le commandant Doxil. D'autres soldats vont venir en renfort. Envoyez des scientifiques aussi. Et des techniciens. Il faut qu'on rassemble un maximum de données. Entendu. Jack, notre objectif reste la Moshaï. Bien sûr, mais on ne peut pas laisser passer cette occasion. Je vois les capsules. Levez la tête. Elles sont parties derrière ce mur. On doit pouvoir le contourner. On n'a qu'à demander notre chemin. Des volontaires? Drac? Pas le temps, là! Pionnière, répondez! Vous tenez bon? Pour l'instant, on a passé la chambre principale et on continue d'avancer. C'est des vrais tordus, ici! Vous voyez quoi? C'est une sorte de... bizarre. Vraiment bizarre. On a trouvé une salle remplie de prisonniers qui avaient l'air d'être en transe. On n'a pas pu les convaincre d'évacuer, donc on a dû les laisser. Sam, du nouveau sur le fonctionnement de cet endroit ? Mes recherches avancent, pionnière. Mais les Angara n'avaient aucune information sur ce complexe. Dois-je revoir mes priorités ? Êtes-vous en danger ? T'inquiète pas, Sam. On gère. Ce tunnel de maintenance devrait nous conduire au cœur du complexe. Mais combien il y en a ? Partout où on va. On peut lancer une recherche. Pas de temps à perdre. Mâle Angara, 35 ans environ, 191 cm. Tissu cicatriciel sur la partie inférieure droite de l'abdomen. Bon, bah c'est pas elle. Femelle Angara, en bonne santé, 176 cm. Aucun signe de grossesse présente ou passé. On trouve personne qui correspond. Ryder, si vous trouvez une console, je tâcherai d'y accéder. Ok, Terminal Kurt, voyons un peu ce que tu caches. Sam ? Recherche en cours. Les élus sont enregistrés par information génétique. Fais vite, s'il te plaît. J'opère à vitesse maximale dans une langue et une technologie alien, en comparant les données avec les bases de données Angara. La Moshaï était ici. Et sa capsule a été déplacée il y a quelques instants. Pour l'emmener où ? Les capsules peuvent être transférées à des pièces qui entourent ce noyau. Ok, on y va. Pionnière, répondez. J'écoute. Nos renforts arrivent. On retourne au point de ralliement. On tient une piste pour la Moshaï. On pense qu'elle est en vie. Par les étoiles. Excellente nouvelle. Protocole de décontamination. À terre. Sam, tu peux faire quelque chose pour nous aider ? J'y travaille.
Non, attendez. On doit sauver les Ankara. Ne le tuez pas. Jal, il nous tire dessus. On peut lui demander poliment d'arrêter, mais je doute que ça marche. Monstre. Fermez. Votre heure a sonné. Je vous couvre. À mort. À mort. Bon, on les a tous eus. Tout le monde va bien? Mais c'était quoi ce bordel? Encore une bonne raison de vouloir buter les Kurt. J'en ai vu des saloperies, mais là c'est d'un autre niveau. Jal. C'est mon peuple. On n'a pas beaucoup de temps. Continuons de chercher, c'est pas la seule pièce. Il faut vite qu'on la trouve. C'est nous. Ouais. Combien j'en ai tué sans savoir? Ryder. Je n'en savais rien. Jal, ce sont les Kurt, les coupables. Ça ne me réconforte pas. Non. Mais ça peut motiver la résistance. Peut-être. Amenez-vous, je l'ai trouvé. On y va, vite! Sam, dépêche-toi! Procédure de contournement système activée. Elle tient la Moshae! Moshae et Shefa! On vient vous chercher! Probablement à la zone de lancement de la navette à l'étage. J'ai réussi à accéder au plan du complexe au dernier terminal. La voilà! Je la vois! Il s'apprête à partir! Tenez bon, Moshae et Shefa. On arrive! Vous nous sous-estimez. Ma propre exaltation me protège. Pauvre imbécile. Mes pouvoirs sont un don de l'Archonte. Je ne fléchirai pas. Protégez l'élu. Protégez ce lieu sacré.
ça va aller. On va vous sortir d'ici. Personne n'est jamais revenu de chez les Kert. Je ne connais pas encore les règles. Bref, l'alerte a été donnée. Il faut qu'on parte, tout de suite. Je ne suis pas la seule ici. Ils ont enlevé tout le groupe. Elle va mal. Son système immunitaire a été anéanti. Vous ne l'aurez pas. Elle est pour l'Archonte et personne d'autre. Elle vient avec nous, c'est tout. Attendez. Pourquoi l'Archonte ? Pauvres ignorants. C'est un cadeau. Qui êtes-vous pour vous y opposer ? Vous les changez en monstres qui s'en prennent à leurs semblables. Ces élus se destinent à un avenir glorieux qui dépasse votre entendement borné. Comme eux, j'étais misérable autrefois. Désormais, l'ADN exalté du Grand Archonte est lié au mien. Je repose sur les épaules de sa grandeur, tout comme eux, et comme vous, un jour. Sauf que moi, je vais vous défoncer votre sale gueule. Ça va être grandiose, ça aussi. Pionnière, je détecte plusieurs croiseurs Kert en approche. Vous serez tous exaltés. Sam, il y a un interrupteur pour ce palais de l'horreur. J'ai accès au champ électromagnétique. Je peux le surcharger. Il faut d'abord qu'on évacue nos frères. On n'a pas le temps d'aider tous ces Angaras à sortir. Il y a des centaines de capsules. Attendez. Laissez mon temple sacré intact et j'ouvrirai les capsules des élus. Emmenez-les. Mais ne touchez pas à ce lieu saint. Non. Même si je meurs ici, il faut détruire cet endroit. On pourra revenir le détruire. Libérons d'abord cela. Si votre plan échoue, les Kert reviendront aussi vite. Sauf votre respect, nos compatriotes sont là aussi. Nos soldats, nos scientifiques, notre force. D'accord. Libérez les Angaras en bas. Activez l'arrêt d'urgence. Libérez tous les élus. Jal, veillez à ce que la résistance en libère un maximum avant l'arrivée des Kert. D'accord. Et merci. Je vous remercie, moi aussi. Je vois que vous commencez... Vous vous trompez. Elle méritait bien pire. On a la Moshae. Direction le toit pour l'extraction. Les Kert répliquent. Ils vont pas nous laisser partir sans se battre. Je ne sais vraiment pas comment ça va finir. Je vais vous aider. Venez, approchez-vous de moi. Non, Moshae, gardez vos forces. Cette décision n'appartient qu'à moi. J'avance. Suivez-moi. Jal, toi et tes amis aliens êtes redoutables. Je vais nous trouver un chemin. Par ici. Avancez à cette plateforme. Bonne idée. On sera mieux placés. Pionnière, répondez. Vous avez la Moshae. Hecht, faites sortir nos hommes avant l'arrivée des renforts. Autant que vous pouvez. Je m'en occupe. Mais je pense qu'on devrait détruire cet endroit tant qu'on est là. Wow. Attention! Navette, vous feriez bien d'atterrir vite fait ou ça va mal finir. Désolé, je peux pas me poser. Approchez-vous du bord du toit, on va se débrouiller. Merde, il s'approche! Il faut qu'on s'en débarrasse vite fait! Entendez, Ryder! Je m'en occupe! Transforme tout ce qui leur tombe sous la main ou quoi? Je suis pas sûr de vouloir mettre les pieds là où ils les fabriquent. Ouais.
extraction. On arrive. La tempête redouble. Il faut qu'on parte. Maintenant. On est dans les temps. Évacuez votre équipe avant que les cartes. Vous en faites pas, on gère. Désolé pour tout ça. Ce qu'on a vu va précipiter notre cause. Oui. Mon cœur brisé peine à l'intégrer. Lexi, vous pouvez nous laisser une minute ? Bien sûr. Mais allez-y doucement. Elle est fragile. Elle m'a taxé de frêle. Fragile. Ah. Jal m'a dit que vous étiez une pionnière de la Voie lactée. On peut discuter un peu ? Ah, vous êtes prête à m'écouter, maintenant ? J'ai suivi mon instinct. C'est comme ça que je fonctionne. Vous comprendrez donc bien quand sera venu pour moi le temps de suivre mon instinct. Alors, ce complexe, à quoi est-ce qu'il peut bien leur servir ? Ils appellent cela l'exaltation. Ils croient que ceux qu'ils exaltent reçoivent un cadeau formidable. Un cadeau ? Ils nous enlèvent, nous dépravent et nous détruisent. Nous et nos proches. Je ne peux pas. C'est une manipulation génétique complexe, un échange de traits dont les Kertes se servent pour faire avancer leur espèce. Donc ils veulent des gènes. Mais pourquoi ? La reproduction. La domination. La tyrannie. La destruction. Oui, et pourtant, l'Archonte ne m'a pas emmené sur son vaisseau pour me transformer. Il me gardait suspendu, privé de sommeil. Il me faisait parfois venir à lui pour me montrer des reliquats, et il me battait si je refusais de parler. Oh non, les reliquats. Cela l'obsède, tout comme vous. Oui, Jal me l'a dit. Vous m'avez sauvé pour accéder au caveau d'Aya. Mon peuple a fait tant de chemin. Nous mourrons si nous ne pouvons pas nous établir quelque part. C'est qu'à vous pourrez détenir la clé. La clé de la prospérité pour nos deux espèces. Je compatis avec votre peuple. Contrairement à vous, visiblement. Mais les émotions ne doivent pas entraver la marche de la science. Je vous guiderai. Merci. Oui. Merci, Mosha et Shefa. Si vous avez d'autres questions, pionnière, je serai ravi d'y répondre. Quand vous voudrez. J'ai juste besoin de me reposer un peu pour reprendre des forces. Du calme, Kalo. Si c'était pas une raison suffisante pour être excité. Alors, on se chamaille ? Pourquoi je me disputerais avec ma meilleure amie ? Meilleure amie ? Oh, Kalo. Kalo ne tient plus en place depuis que j'ai reçu ce rapport d'Eos. Les nouvelles sont bonnes. On observe une baisse constante du niveau de radiation. Votre avant-poste Prodromos a toutes ses chances de fonctionner. Quand est-ce que vous voulez y retourner ? On peut y aller, mais on a d'autres priorités. Pourquoi ? Non, c'est juste que si j'avais établi une communauté prospère dans une galaxie inconnue, j'aurais voulu aller y faire un tour. On pourrait y aller quand ils auront installé la plage et le toboggan à eau ? Là, vous vous moquez de moi. Donc, le niveau de radiation a baissé. On peut pousser notre exploration plus loin ? Oui, mais l'activité Kert dans les environs a augmenté, elle. On ne pouvait pas être les seuls à profiter de l'amélioration des conditions de vie sur la planète. Ce serait bien d'aller voir comment ça se passe. Presque comme des vacances. Presque. On y retournera peut-être à l'occasion. C'est vous la patronne. Vous n'avez qu'un mot à dire.
En orbite stable autour de Vold. Le fléau a tiré le vaisseau. Au moins, Aya est bien cachée. Que les étoiles nous montrent la voie. Que les étoiles nous montrent la voie. Elle sait motiver la foule. C'est la Moshae. Bienvenue. Je ne croyais pas revoir cela un jour. Sans la Résistance et la Pionnière, je ne serais pas là aujourd'hui. On fait une bonne équipe. On n'a pas seulement libéré la Moshae, et la Pionnière a tué un chef Kert. On a beaucoup de choses à fêter. J'ai promis de conduire la Pionnière au caveau d'Aya. Vous vous remettez tout juste. Prenez votre temps, je ne bouge pas d'ici. Sûrement pas sans notre aide. Je vais préparer le caveau pour votre arrivée. Une navette vous conduira à moi quand il sera prêt. Merci, Moshae. Ça fait trop longtemps que nous nous battons seuls contre les Kertes. Vous avez prouvé que les choses peuvent changer. Il est temps de parler d'une alliance entre nos peuples. On sera ravis de vous faire de la place sur le Nexus. Nous vous fournirons une ambassade ici aussi. Notre ville vous est grande ouverte. Venez. Beau travail, Jal. Prêt pour ta prochaine mission ? Je dois rester avec la Pionnière. Jal est déjà devenu un membre précieux de mon équipe. Je n'en doute pas. Vous avez raison. Demande acceptée. Je dois rendre un rapport de mission. Ne quittez pas Aya sans moi.